Bien le bonjour tout le monde! On se retrouve pour un nouvel épisode de Stardew Valley pour commencer cette petite semaine, donc c'est plutôt cool. Oh, nice! Le blé qui a poussé! Ouais, donc les 8 autour, c'est tout. Ok. Eh, notre confiture est terminée! Yes! Yes, 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 les amis, c'est du bon, ça, c'est tout bon, c'est tout bon. Donc, on a des baies, donc on récolte, nice, c'est bon. Ici. Oh, gelée de mur. Eh, je sais pas si Marnie elle aime ce genre de truc. Bon, elles ont toujours pas grandi. Hey, on est plutôt bien là. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Donc, il faut qu'on récupère le caleçon de Lewis. Hop, on met tout ça en vente. Hop, hop. Est-ce que j'ai encore des choses à vendre? Oui, ça. Tac. Donc, on va se récupérer pas mal d'oseille avec tout ça, je pense. La gelée, la confiture, je vais la garder clairement parce que ça pourra nous servir peut-être à donner à quelqu'un. Le foin, bah non, faut le vendre ça. Faut que je vende ça aussi. Hop. Et ça, je le mets de côté. Donc ça, par contre, oui, il faut le mettre avant. C'est parti. Donc j'arrose tout ça, les amis. Je vous reprends tout de suite après. Copains, je vous retrouve, donc c'est bon, on a tout simplement arrosé. Je vais aller rechercher clairement des graines chez Pierre parce que clairement je pense que ça sera bénéf pour nous puisque on a tout de même on n'a pas de truc, on a tout de même mis du fertilisant, donc ce serait cool de pouvoir en bénéficier, on va dire. Donc on va aller se rechercher une trentaine de graines chez Monsieur Pierrot, mais avant on va aller voir Marnie. Histoire de pouvoir avancer avec elle pour pouvoir tout simplement récupérer le caleçon de Lewis. Alors, on met ça à vendre. Hop, parce que le houblon était bon à récupérer. J'ai l'impression qu'il faut le récupérer tous les jours. Donc c'est parti, on va voir Marnie pour lui donner un nouveau quartz. Et ensuite, on retourne voir Pierre pour pouvoir tout simplement avancer au niveau de nos champs et du farm d'argent, quoi, tout simplement. Hop, c'est parti. Alors, est-ce que ça va nous faire avancer avec Marnie un peu plus ou est-ce qu'on ne sera pas encore suffisamment amis avec elle et qu'il faudra lui rendre un autre cadeau? Ah! Marnie n'est pas là? Seriously? Hé, petite fille là, elle est où ta mère? Salut! Oh, tu cherches tante Marnie. Tout à fait. Tout à fait, cocotte. Ok, elle va pas m'aider. Alors, c'est parti. Bah écoutez, on va en ville, on va aller chez Pierre et on reviendra là après. Peut-être que Marnie sera réapparue. Hein, parce que là, clairement, on va pas attendre après la demoiselle. Ah, Elliot, on va lui parler. Un doux rayon de soleil m'a réveillé ce matin. Je ne suis jamais senti aussi frais. Eh bah, nice, écoute. Tant mieux pour toi, mec. Alors, il y a Alex. Hey, salut la fermière, ton teint est vraiment magnifique. Oh, merci. Plus je m'entraîne. Cet été, plus ce sera facile de faire partie des pros. Tu m'étonnes. Plus tard, tu pourras dire que tu m'as connu cool, hein? Ouais. Nice. Alors, on passe à la plage parce que je veux voir s'il y a des trucs qui traînent, hein. Toujours des choses en plus à vendre. Donc, il y a Ellie. Je lui parle pas, je l'aime pas trop. Là, elle est pas sympa avec moi à chaque fois. Donc, on va pas perdre de temps à lui parler, cette petite cruche. Voilà. On va le dire clairement, hein. On va dire les choses. Hop. Ah, peut-être qu'il en faut un d'oursin pour la quête, je sais plus. Et un deuxième oursin. Yeah. Hop, il n'y a rien d'autre. Donc c'est parti, on va chez Pierrot pour acheter une trentaine de graines. Et ensuite, c'est parti, les amis. On va retourner chez Marnie. Ah ouais, décidément, c'est de la balade. Même l'épisode dernier, on a fait beaucoup de balades. Mais on progresse! C'est ça qui est cool. On progresse, l'air de rien. On se balade, mais ça progresse. Hop, hop, hop. Hop. Donc c'est par-dessus. Toc 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 toc. Chez Pierre, c'est là. Ah, pardon, Caroline. Un varech qui a mangé en écoutant la radio. Ah. J'en ai plus de varech. J'en avais dans mes crofts fuite un temps, mais là j'en ai plus. Ah, c'est Lee, je crois qu'elle s'appelle. Yes! J'ai trouvé quelques baies sauvages ce matin. Désolée, il ne me reste plus. Continue à chercher, je suis sûre que tu vas en trouver. Merci, Lee. Alors c'est parti, monsieur Pierrot, je te rachète 30 graines. Hop, parce que j'ai vraiment besoin d'argent rapidement. Bonne journée tout le monde. Salut.
Ah tiens, il y a Lewis. Le jardinage est mon passe-temps préféré, alors je suis heureux quand il fait chaud. Ok, bah bon courage. C'est parti, on retourne à la ferme. On va aller poser ça et ensuite on va aller revoir Marnie. Allez, allez, là. J'aime bien, vous voyez les petits effets comme s'il y avait de la poussière quand on marche. Alors vraiment, le jeu est vraiment magnifique. Je trouve ça fabuleux, moi, perso. Hop, hop. J'ai effrayé 12 ou 14 corbeaux. Ah, j'ai cliqué sur le petit monsieur. Hop. Eh ben, nickel, écoute, il n'y en a pas eu assez, j'aurais dû en prendre plus. Je pensais qu'il allait m'en falloir moins que 30, mais écoutez. J'aurais dû compter avant de partir. C'est pas grave, vous savez quoi, hein. On va pas en faire un fromage. Tout ce que je veux, c'est que ça me rapporte de l'argent à la fin. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai dans les coffres qui pourrait être bien? Est-ce que je peux faire... Ah, j'en ai... Du vareig, c'est des algues ou c'est ou c'est autre chose? Est-ce que le varech et les algues, c'est deux choses différentes ou pas? Ah ah! Le doute, les amis, le doute. Est-ce qu'on peut mettre la tomate là-dedans ou pas? Yes! Ouais, nickel. Alors, c'est parti, revoir Marnie. Et... Ouais, l'histoire du varech. Pour moi, le varech et les algues sont deux choses différentes, mais on sait jamais dans le jeu, je sais pas. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti! Est-ce que Marnie a sa baraque ou pas? Go! Allez, mardi! Ah! Coucou, Marnie! Merci, de rien, Marnie! J'aime les animaux, Madame Melou. Traite-les avec douceur et nous deviendrons amis, j'en suis sûre. Ah, bah, nice. Alors, est-ce qu'on a progressé ou pas? Non, c'est pas ça. Non, et on lui a donné deux cadeaux, donc il va falloir attendre pour pouvoir lui en rendre. Donc, c'est pas pour tout de suite le caleçon de Lewis. Bon sang de bonsoir. Alors, c'est parti. Alors, Hop, 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 hop. Alors, il nous reste de l'énergie. Mais pas suffisamment. Et il est déjà 16h40. Donc, en vrai, c'est problématique de. 4, 6, 8, 9. Il nous manquerait une dizaine de graines. Alors c'est parti, on va chercher 10 graines. Parce que, en fait, je veux pas aller à la mine là parce que il est tôt. Il est tard, du moins, pardon. Et du coup, le temps qu'on aille à la mine et tout, et qu'on descende de 5 étages, bah voilà, de 5 niveaux, pardon, ça sera mort. Donc voilà quoi. Alors, on va retourner chez Pierre. Hop. Revenez quand Pierre tiendra la boutique. J'ai quelques graines d'été de disponibles, vous devriez aller vous approvisionner. Il est sérieux, mais viens, Pierre! Oh, je suis dégoûtée. Bon, on va aller. Ah oui, il est déjà 17h50, c'est peut-être pour ça. Bon, bah écoutez, c'est mort, c'est pas grave. On va aller voir Lewis, vous savez quoi? Lewis. Willy, pardon. Est-ce que je peux passer par là? Non, je crois pas. Ouais, non, je crois qu'il faut passer par la plage. Donc, je vais aller vendre ça directement à Willy. Et il va falloir que je me mette à pêcher, les amis, à un moment donné. Parce que sinon, ça va m'embêter dans la progression au niveau du jeu. Donc, il va falloir s'y mettre. Hop! Ah ouais, mais il est déjà 18h40. Il sera en train de pêcher. La boutique ne sera plus ouverte. Bah oui, c'est ça. Ah, c'est galère, ça, l'histoire des heures, les amis. Bon bah écoutez, on rentre à la maison, on va utiliser notre énergie pour encore couper du bois, histoire d'avancer dans les 450 bois qu'il va nous falloir pour faire la maison et la cuisine. Voilà. Hop, allez, c'est parti, purée. Ah, c'est une calamité pour passer partout. Hop. Allez,
On y go. Ah, je suis déçue. C'est la vie, hein. On peut faire avec, hein, les amis. Quand on se foire, et c'est tout, quoi. Alors. Eh, go, 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 hello. Plus vite. Hop. Alors, on va aller caisser encore un petit peu de bois. Hop. Vrai que je dois rester appuyé au lieu de kick. À chaque fois, je zappe. Allez, coco. Donne-moi plus de trucs. Des pommes de pin, j'en ai. Alors, on va déblayer. Oh. Ah, si, c'est bon. Elle casse l'arbre, ça va. Il va être 21 h. Ça va le faire. Easy peasy, les amis. Hop. Allez, c'est parti. Allez. Est-ce que je vais avoir assez d'énergie pour casser le gros tronc ou pas? Ah, non. Hop. Allez, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. On fait pas le cacou, les amis. On rentre. Ah, j'en ai 27, ouais, c'est pas ça qui me monte, c'est des glands. Ah, j'en ai encore eu un. Bon, ma foi, ça peut... ça finira par le faire. Donc on va mettre ça à vendre. Et ça aussi. Hop, c'est parti. Donc on va en récupérer pas mal d'argent là avec tout ce qu'on a mis à vendre aujourd'hui. Donc on va voir où on en est. Hop, yes, on dort les amis. Deux. Ouais. Ça va, il y a pire. Il y aurait pu y avoir mieux, mais il y a pire, il y a pire. Donc ça va encore. Hop. On a la moitié. Ah, nos melons ont progressé, mais c'est pas encore ça, hein. Ah, yes, on a du maïs. Non, 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 je veux pas le manger, le maïs. Mais non, j'ai dit! Ah ouais, le houblon, on peut le ramasser tous les jours. Alors, clairement, donc, ça, on peut le mettre... Alors, ça, je peux le mettre à vendre. Ça, je peux le mettre à vendre. Ça aussi. Ça aussi. Ça, oui, mais il me faut que j'en garde un de maïs. Alors, donc, c'est parti. Donc, ça, le houblon, là, on va le mettre à vendre également. Yes, donc ça on le met. Ok, donc c'est parti. Donc là, ça, je peux pas encore le récolter, mais c'est pas très grave, on va s'en sortir. Donc c'est parti, j'arrose tout ça et on se retrouve après. Les amis, c'est parti. Donc on se retrouve, j'ai tout arrosé, donc on va se crafter ça. Parce que clairement, niveau énergie, on a pas mal morflé. Il est déjà 11 h, donc ça va être chaud d'aller à la mine. Donc ça attendrait une autre fois. Où est-ce qu'on en est au niveau de nos poules? Elles sont toujours petites. Voilà, je leur ai remis du foin histoire d'être tranquille. On va voir dans la grotte s'il y a autre chose de nouveau. Non. Bon, c'est pas très productif en vrai, hein, cette histoire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, au niveau de Marnie, on peut pas lui donner notre cadeau, hein. Ouais, il faut attendre. Ah, on a des géodes. Attendez à ouvrir, je crois. C'est pas là-dedans. Yes, on a 4 géodes. Et bah, vous savez quoi? On va aller voir Monsieur Clint, histoire du filet un peu tout ça. Ah, il y a une ardisie là-haut. C'est parti. Là, il y a un raisin. Ah bah, le raisin, il nous en faut 1% de communal, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est un étoilé, mais bon, écoutez. Hein. Ouais, bah, tout ça, c'est ce qu'on va mettre à vendre. Je dis pas non. Hop, c'est parti. Alors, Monsieur Clint, on va aller voir si on va avoir des choses intéressantes dans ces géodes.
Hop, ouais, c'est par là-bas. Hein. Hop, ouais, c'est ça. Quoi que non, c'est plus bas. C'est plus bas chez Clint. Yes, c'est ça. Hop, allez. Ouais, du caillou. Waouh, c'est exceptionnel, du caillou. Ah, ça par contre. Ouais, ça va pas me servir non plus. Oh, deux trucs. Waouh. Merci Clint. Bye bye. Attendez. Améliorer outil. Pioche. Donc il me faut 5 et 200. Ok, 5 et 200. Ça marche, donc il faudra qu'on revienne à l'occasion. Donc là, on va aller au musée avec les choses qu'on a eues là. Histoire de voir si ça intéresse notre petite gueule. Rien. Bon, très bien. Alors, on se taille. C'est parti. Alors, bah, on va passer à la plage, comme on est à côté de toute manière. Et donc, on peut pas aller voir Marnie. Aller à la mine avec tout ce qu'on a arrosé, ça nous a pris du temps, donc c'est mort. C'est ça qui est galère en fait. Il faut choisir, mais la mine, c'est important aussi qu'on aille plus dedans, quoi. Hop, 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 c'est parti. Hop. Hop là. Ah, tiens, on a un truc que je crois pas qu'on en a déjà vu, ça. Une coque. Je crois pas qu'on en ait déjà vu, les amis. Semble pas. Bon, on va passer au centre communal, hein. Ça va devenir notre rituel parce qu'il faut faire qu'on l'améliore et qu'on s'en occupe tout simplement, hein. Ce petit centre communal. C'est parti quand même d'une de nos missions. Hop, allez, c'est parti. Ah, je crois que c'est Sam, lui, le blanc. Hop, 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 c'est parti. Hop là. Donc 10 000 gold, il nous manque encore 5 000. Ah, le petit lapin, c'est trop marrant. Coucou la compagnie! Alors, ça, j'ai. Ah, si, bon, on avait déjà eu une coque, vous voyez. Alors, ça. Et il nous faudrait ça. Il n'y a que des poissons. Il faut rien d'autre de autre que du poisson. Ok. Ok, il va falloir qu'on s'y mette. Hop, alors, on va aller voir la nourriture là-bas. Hop, hop. Salut! Donc là, il faut des trucs étoilés. Ah, il nous faut 5 melons comme ça. Ah, le maïs flûte. Maïs et melon étoilés. Là, j'ai rien à y mettre. Là non plus. Et ça, on aura dès qu'on aura avec nos poules, quoi. Hop, on sort de là. On va aller de l'autre côté. Alors, est-ce qu'il faut un raisin quelque part? Non. Ah, c'est une mûre. Ok, c'est une mûre. Bon, bah très bien. Alors, du coup, melon et maïs étoilé or. Donc ça, il faut que je retienne pour garder aux prochaines récoltes. Parce qu'il nous en faut 5 de chaque. Donc ça, c'est important pour la quête. Alors, c'est parti. Donc on rentre, ma foi. Hop. On va être déblayé, vous savez quoi, pour avoir davantage de bois. Et au prochain épisode, on pourra recommencer à donner des cadeaux à Marnie. Et j'espère que cette fois, ça sera bon. Parce que j'avoue que là, on est un petit peu coincé pour le coup. Alors, faut que je mette avant de tout ça. Hop! Est-ce que je peux vendre aussi ces trucs-là? Yes. On va voir combien ça rapporte. Hop. Hop. On met tout ça. On met tout ça. Non, je vous parle avec le chat du jeu. Hop.
Alors, c'est parti. Donc, les melons, j'espère que ça va se faire rapidement. Ouais, il faut toujours un melon pour Dimitrius, il faut toujours le caleçon de Lewis. Et il faut toujours faire la bière pour Pam et Allo niveau 40 dans la mine. Donc, ça va être toujours d'actualité. Alors, c'est parti. Comme ça, on va se faire davantage peut-être de quoi faire de la nourriture. Et il faut que je reste comme ça, bon sang! Je fais n'importe quoi, les amis, là, ça ne va plus. Hop, c'est parti, comme ça va peut-être permettre au sapin de pousser plus vite. J'en sais rien. J'en ai aucune fichue idée. À terme, il y aura tellement de trucs sur notre propriété. Ah, j'ai du... Ah oui, c'est normal. Je viens de casser un gros tronc, donc forcément, il y a du bois massif. Allez, c'est parti. Donc, autant utiliser l'énergie à fond. On avait pris un casse-croûte, donc autant le rentabiliser, va-t-on dire. Donc, ça, c'est good. Par contre, ouais, j'ai plus ma faux, puisque je l'avais mis en dessous. Hop, hop. Alors, ça, c'est parti. Alors, vous voyez, c'est... Enfin, c'est important, l'air de rien, de déblayer, hein, pour ensuite en... Dans le futur, quand on fera d'autres bâtiments, bon là on se concentre sur la maison, mais après on va se concentrer sur des bâtiments pour d'autres animaux par exemple. Et il faut que je regarde, normalement il y a moyen aussi de faire comment dire, une barrière autour du poulailler histoire que les poules puissent sortir, je pense. Il faut que je regarde, mais je pense qu'il y a moyen de faire ça. Hop, donc c'est parti, tac, hop là. Là là, en tout cas, ouais. Bon, on a presque fini notre énergie, mais voilà, on va avoir bientôt notre bois. Donc c'est plutôt cool. Parce qu'il va falloir vraiment, ouais. J'espère qu'avec la cuisine, on s'en sortira mieux et que ça ira mieux. Oula, là, on est en zone rouge, là. Ça y est. Allez, c'est parti. On va reposer tout ça dans les coffres. Ouais, donc on a eu deux glands supplémentaires. Ouais, mais il nous manque toujours l'autre truc. Ah bah non, on a là. Alors, vous savez quoi? On va crafter directement ça. Hop. Non, c'est pas ici. Donc ça, je le mets là, les casse-croûtes, la sève, ça. Et le bois, c'est de l'autre côté, avec la pierre. Pourtant, les bois, c'est du végétal. Ça, je vais remettre par là, plutôt. Hop. Allez, on a bientôt les 500 de bois, les amis. Ça va le faire. Alors, c'est parti. Donc, on fait de. On va voir combien ça va nous rapporter d'argent, tout ce qu'on a vendu. Alors. Oui, 400 seulement. Flûte. Alors, voilà. Donc, on s'arrête là pour cet épisode, les amis. C'est passé 2 journées dans le jeu. Donc, on a avancé au niveau des champs. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien, les amis. Bye bye à tous.